Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est l'heure d'un conseil communal concernant le budget. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici en présentiel, malgré les situations sanitaires qui commencent à être plus que délicates. Nous avons donc beaucoup d'excusés également. Christophe Magdelaine, Florence Caudray, Véronique Artus, Pauline Vermeeren, Stéphanie Polissen, pour sa maternité, Isabelle Désir et Valérie Kepse, ainsi que Jasmine Boumraya, sont excusés. On peut donc commencer le conseil communal par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil communal du 25 novembre 2021. Y a-t-il des remarques à ce propos? Sans remarque, nous passons donc à la communication des listes des marchés passés par procédure négociée. Il y a 21 passations de marché de faible montant pour un montant total de 139 000 euros. Y a-t-il des questions à ce propos? Communication également de la liste des arrêtés adoptés par le bourgmestre. Il y a 9 arrêtés. Avez-vous des questions? Merci. Nous passons maintenant à une petite modification de la composition de l'ASBL Senior Other Game. Effectivement, une Joséphine Harpayante était démissionnaire. Elle est donc remplacée par un nouveau représentant Écolo Groen, Damien Van Caille. Voilà. Approuvé. Alors, ici, le point numéro 5 concerne un accord de principe. C'est un projet régional de vidéosurveillance qui respecte la protection des données par rapport au service des caméras de surveillance fixe temporaire. Y a-t-il des questions à ce propos? L'accord de principe est donc accordé. Nous passons toujours dans les caméras, mais cette fois vidéosurveillance, déploiement des ANPR pour l'année 2021-2022. Cela concerne les Low Emission Zones. Y a-t-il des questions à ce propos? Le sixième point est donc accordé. Alors, le septième point concerne le programme d'action du climat. Le collège vous demande de marquer votre accord pour une convention relative à la subvention pour la réalisation d'un inventaire du patrimoine arboré du territoire communal. Il s'agit du deuxième volet de cette convention. Je vous remercie. On passe ensuite à la partie sportive. Il s'agit des subsides pour l'année 2021 en faveur des clubs sportifs Audergémois pratiquant leur activité au centre sportif de la Forêt de Soignes. Étant donné que je suis moi-même président d'un club, je vais me retirer et céder la présidence à Monsieur le bourgmestre. Voilà, je vois que Madame Rigodanzo prend la parole. Vous avez la parole, Madame Rigodanzo. Merci, Monsieur le Bourgmestre. J'avais une question concernant, enfin deux questions en fait. Est-ce que d'abord l'ensemble des ASBL présentes au centre sportif ont toutes remis leur formulaire pour obtenir? D'accord, merci. Et alors, deuxième question, je me demandais pourquoi on prévoyait c'est très très bien, hein, l'aide, le subside à ces clubs sportifs. Pourquoi est-ce qu'on ne prévoit pas la même chose dans les autres centres sportifs présents sur le territoire communal? Je pense notamment, par exemple, au club au gymnasium, par exemple. Madame de Fossé, vous avez la parole. Oui. Donc, bien évidemment, les clubs qui vont bénéficier de ce subside ont rempli le formulaire qui a bien été vérifié par l'administration communale. Et alors, il faut savoir qu'il y a deux types de subsides. Donc, ce nouveau subside qui est entré en vigueur en 2019, qui concerne les usagers de la Forêt de Soignes qui payent des montants locatifs très importants. Il y a alors un autre subside où la commune verse d'ailleurs une partie du montant à la commission consultative des sports. Et là, la commission consultative des sports octroie chaque année, pour plus ou moins 22 000-23 000 euros, une subvention à nos clubs sportifs Audergémois et qui occupent nos infrastructures, c'est-à-dire le gymnasium, le centre sportif et le stade communal. Et bien entendu, les montants, comme l'a dit Madame de Fosset, les montants de location des infrastructures communales sont sans commune mesure avec ce que pratique la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis sans commune mesure à la baisse, hein, pour ce qui concerne nos infrastructures.
Ah, si le président, il peut rentrer, mais on va... Ah, le voilà. Me revoilà. Nous passons au point numéro 9. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'introduire un recours au tribunal de première instance de Bruxelles à l'encontre des taxes régionales sur les établissements dangereux, insalubres, ou incommodes. Le montant s'élève à 3 773 euros. Pas de questions. Donc, nous passons au point numéro 10. Il s'agit d'abord d'un retrait de la délibération du 30 septembre pour refaire un nouveau marché public, un marché public de services de nettoyage des bâtiments communaux réservé à l'économie sociale d'insertion. Donc on accepte ici le nouveau cahier des charges et autres documents de ce marché. Y a-t-il des questions à ce propos ? Nous pouvons passer au point numéro 11, qui concerne la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Il s'agit là d'un renouvellement. Le taux reste de 6%. Comme l'an dernier, il n'y a pas d'augmentation. Pareil pour le point numéro 12, mais cela concerne le centime additionnel au précompte immobilier. C'est un renouvellement, pas de modification également par rapport à 2021. Aucune question. Les points 13 à 20 ont été vus en commission finances ce mardi, 21 décembre. Et le point numéro 13 concerne la modification de règlement de taxes sur les enseignes. Cela concerne les anciennes enseignes, les anciens commerces pour lesquels la commune doit insister à faire retirer les anciennes enseignes. Et donc, c'est une demande complémentaire que l'on vous fait. Pas de questions, je suppose. Donc, on peut passer à la contribution de la commune à la zone de police pour l'exercice 2022. Un montant de plus de 7 millions. Nous pouvons considérer donc qu'il est approuvé. L'approbation maintenant vous est demandée pour la modification budgétaire numéro 3 de l'exercice 2021 du CPAS. Aucune question ? On passe dans ce cas au budget du CPAS, exercice 2022. Il s'agit d'une approbation provisoire. Et pour ce faire, je donne la parole à M. Jean-Claude Vitou. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, construire un budget est toujours quelque chose de très difficile, et certainement dans le domaine social, et évidemment avec la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Je voudrais relever quatre points principaux dans les clés du budget 2022, pour vous expliquer et vous démontrer donc notre intervention. L'intervention communale passe, si on compare le budget 2019 au budget 2022, de 5,7 millions à 6,452 000 euros. Bien sûr, là-dedans, il y a les accords sociaux du comité C. L'intervention communale qui également nous aide pour les charges d'intérêt. Et donc, ces éléments-là progressent et démontrent donc malheureusement une augmentation du nombre de demandes sociales que nous obtenons. Nous avons d'ailleurs pour les aides sociales et les revenus d'intégration une augmentation de plus de 450 000 euros par rapport au budget initial pour faire face à l'augmentation du nombre plus important de revenus d'intégration sociale demandés ici à Auderghem et qui se maintiendront certainement au moins une partie de l'année 2022. Nous avons également prévu une légère augmentation à la fois pour les personnes qui prennent des repas dans les restaurants sociaux, puisque nous passons de 6 euros pour le repas qui comprend donc une entrée, un plat, un dessert à 6,50 euros. Mais d'un autre côté, nous diminuons le même tarif pour les personnes qui ne savent pas le payer
Et là, nous descendons à 5 euros, ce qui donnera donc au total une légère augmentation du revenu à peu près de l'ordre de 1 800 euros. Là, le troisième élément clé, c'est évidemment par rapport au Covid-19. Je pense que tout le monde connaît la situation et donc nous avons des recettes prévues de 293 000 euros pour pouvoir aider à nouveau les personnes qui le demandent. À savoir 75 000 euros qui proviennent du SPP pour octroyer une prime mensuelle aux personnes aidées. Et la deuxième chose, ce sont deux subsides de la COCOM de chacun 109 000 euros qui nous permettront là aussi de faire face à nos obligations. Malgré tous ces coûts, nous avons malgré tout décidé de maintenir des investissements parce que la situation le nécessite. Nous avions reporté l'achat de véhicules pour le CPAS de 2021 et nous l'avons reporté à 2022, à savoir un véhicule pour le courrier, pour le service technique et un de ces véhicules pour les repas à domicile, puisque nous livrons d'une manière générale de l'ordre d'à peu près 1000 repas par mois aux Auderghemois qui le demandent. Et enfin, nous avons également des travaux prévus à la résidence Reine Fabiola, à la fois pour la sécurisation de la sortie de secours, ce qui est évidemment fondamental, un projet de cafétéria, et enfin un projet qui me tient particulièrement au cœur et qui concerne un jardin sécurisé et aménagé pour les personnes que nous appelons pudiquement désorientées, qui malheureusement ne peuvent pas toujours sortir en toute sécurité, et grâce à ce jardin, eh bien, elles pourront bénéficier évidemment aussi du poumon vert que constitue notre commune et entre autres le parc que nous avons. Voilà en gros les différents points clés de ce programme. Mais je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez la parole, les chefs de file, si vous le désirez. Non ? Ok, dans ce cas, nous pouvons considérer cette approbation provisoire comme faite. Nous passons maintenant au budget de la région foncière. Pour ce faire, Monsieur Molders. Voilà, merci Monsieur le Président. Concernant la régie foncière, Auderghem est une commune qui mène depuis plusieurs années en fait une politique d'acquisition d'immeubles, hein, et des immeubles qui ont pour but d'être transformés, du moins remis en état et reloués à des familles à faible revenu, des familles monoparentales ou à des jeunes. Alors cette année, nous avons acquis plusieurs biens, 4 biens pour être plus précis. Chaussée d'Oivre, à proximité de la maison des jeunes, nous avons acquis 2 maisons, le 1975 et le 1977 de la Chaussée d'Oivre. Et nous avons également le 1582 Chaussée d'Oivre qui se situe plus dans le centre d'Auderghem. Nous avons pour ces logements-là, cette année-ci, le démarrage en fait des cahiers spéciaux qui vont permettre de mettre en route les transformations, du moins les rénovations pour ces habitations-là. Donc tout cela démarre cette année. Pour le coup terre, là c'était effectivement un très très gros chantier qui est en charge de la régie foncière. C'est donc l'ancienne gendarmerie, pour ceux qui connaissent la rue du Couterre, cet ancien bâtiment qui servait de gendarmerie, qui est complètement, je vais dire, désossé à l'intérieur pour y installer 9 familles. Donc il y aura 9 appartements qui, nous espérons, seront mis à disposition si l'hiver est bon et que tout se passe bien pour juillet 2022. 9 appartements plus les appartements qui seront amenés au 1975, 77 et 1582, ça nous amènera à 14 nouveaux logements. Donc on va augmenter de 12,5% notre capacité de logement. On sera un total de 126 logements, bien sûr. Également, j'insiste qu'au Couterre, nous aurons un appartement dédié au PMR, donc une rénovation qui se fera pour permettre à un PMR de s'y installer. Donc
cette volonté d'acquérir tous les appartements permettent à Audergem d'aider quand même une population qui est parfois et même qui est de plus en plus difficile à se loger sur Bruxelles et notamment sur Audergem. J'insiste aussi sur le fait que quatre rez-de-chaussée commerciaux sont aussi loués à la Croix-Rouge, notamment pour la vestiboutique et pour l'épicerie sociale, mais aussi au service santé mentale Le Grès. Et nous avons également la halte garderie qui a. Nous avons la chance d'avoir la halte garderie qui occupe un de nos biens. Voilà. Malgré tout, nous avons dégagé un boni d'exploitation de 192 500 euros et nous avons provisionné les travaux, du moins le commencement des travaux pour les trois bâtiments dont je vous ai parlé, Chaussée-Douvres. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Molders. Les chefs de groupe désiraient-ils prendre la parole ? Eh bien, nous pouvons considérer le budget de la régie foncière comme étant approuvé. Merci. Je passe ensuite au budget communal ainsi que le plan triennal qui vous seront présentés par Monsieur Gozoin, notre bourgmestre. Mais, Monsieur le Président, chers collègues, ce budget 2022 est exceptionnel à deux titres. D'abord parce que c'est mon dernier budget comme bourgmestre, quand même assez exceptionnel. Hein. Ça fait maintenant la 26e ou 27e fois que comme bourgmestre que je vous présente et comme responsable des finances un budget. Comme membre du collège, c'est pour la 46e fois que je vous présente un budget. C'est quand même assez exceptionnel. Et à ce titre d'ailleurs, je voudrais remercier pendant toutes ces années les services administratifs qui bien entendu m'ont épaulé et qui m'ont encore épaulé pour ce budget, pour faire ce qui a toujours été notre ligne, tenter de présenter des budgets en équilibre. C'est une obligation, bien entendu, mais on sait que derrière ces obligations, il y a beaucoup d'artifices. Or, on peut se vanter ici à Audergem d'avoir toujours présenté un budget en équilibre. Et toujours veiller à avoir les impôts les plus bas, pas par souci d'électoralisme, mais parce que j'ai la faiblesse de penser que le pouvoir d'achat du citoyen reste encore un critère important, déterminant d'ailleurs dans leur vie de tous les jours. Et lorsque vous avez des impôts les plus faibles, vous avez évidemment des gains pour les citoyens. On le sait, vous voyez les fluctuations entre les taux d'imposition dans les communes qui sont voisines. Un ménage moyen, deux enfants, revenu moyen, peut économiser de l'ordre de 700, 800, 900 euros par an d'impôts en moins. Ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas négligeable dans le budget d'une famille. C'est notre manière de contribuer, je crois, à une politique de rigueur qui me paraît être l'essence de la vie politique. C'est lorsqu'on vous confie de l'argent, vous devez faire attention à cet argent qu'on vous confie et être attentif à n'importe quel euro qui est dépensé. Si cette règle politique pouvait être d'application à tous les niveaux, je pense que les pouvoirs publics seraient dans une moins mauvaise posture qu'ils ne le sont aujourd'hui. En tout cas, Audergem, c'était la ligne et c'est toujours la ligne. Et je m'en félicite et c'est en tout cas la marque de ce budget 22. Il est quand même aussi exceptionnel parce que nous sommes dans une période de crise. Et que si vous avez bien analysé ce budget, vous voyez bien que les marges de manœuvre se sont largement rétrécies. Même à Audergem, qui, il faut le reconnaître, n'est pas la commune la plus défavorisée. Reconnaissons que c'est évidemment toujours plus facile d'être dans une commune dans le haut des revenus plutôt que dans le bas des revenus. C'est exact. Je crois que certaines communes qui sont dans le bas des revenus ont des gros précomptes immobiliers parce qu'ils ont beaucoup d'infrastructures, d'entreprises, d'hôtels, etc. et que ça rapporte évidemment beaucoup de précomptes immobiliers. Alors que constatons-nous ? Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a une diminution des recettes. En réalité, les recettes de 2022, si vous regardez de manière pluriannuelle, sont de 500 000 euros, inférieurs à ce qu'on avait en 2018. Inquiétant, évidemment. Comme on a dû, donc, toutes nos marges ont été supprimées. Aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas dire qu'il y a des marges budgétaires pour de nouvelles charges qui nous tomberaient sur la tête. Nous présentons en équilibre, sans artifice aucun, mais on n'a plus beaucoup de matelas. On en a peut-être
quasi plus. Il faut se dire aussi que si nous étions maîtres de toutes nos recettes, il n'y a aucun problème à Auderghem. Savez-vous, par exemple, que la main morte, alors qu'est-ce que c'est la main morte? Eh bien, c'est l'impôt que ne payent pas un certain nombre d'institutions. Par exemple, les institutions européennes ne payent pas d'impôts. Attention, la Commission européenne rembourse une part de l'impôt, mais elle rembourse à la région qui ne restoune pas à la commune. Rien que la main morte sur Auderghem nous coûte 1,2 million euros par an. En d'autres termes, si c'était nous qui touchions le bénéfice de cette main morte, nous aurions 1,2 million, vous imaginez, les latitudes budgétaires que nous aurions. Deuxièmement, le tax shift qui était décidé au niveau fédéral, a un coût. Rien que sur 2021, le coût est de 197 200 000 euros par an. Sur l'ensemble, depuis le début du tax shift, cela nous coûte, depuis 2016, assez précis, 1 017 120 euros et 43 cents. En d'autres termes, c'est une politique qui a été décidée, je ne porte pas de jugement sur cette politique, une politique qui a été décidée à un autre niveau, mais sans compensation pour le niveau communal. Et donc, ça a été une moindre recette d'1 017 120 euros depuis 2016 et à peu près en rythme de croisière, 200 000 euros. Si nous avions ces 200 000 euros, il est évident que là aussi, nous pourrions déployer d'autres politiques. Nous avons donc une diminution, on peut le dire, des recettes IPP. Évidemment, les recettes IPP ont été aussi, en 22, marquées par le Covid. Si vous avez plus de gens qui sont au chômage, qui ont une perte de revenus, ben forcément, l'assiette fiscale se rétrécit et donc forcément, l'impôt diminue. Ça frappe tout le monde de la même manière. Et donc, c'est aussi quelque chose que nous devons gérer. Mais il faut s'inscrire dans le long terme. On peut espérer quand même qu'on va sortir de cela, que la reprise économique, que l'emploi reprendra davantage de place et que notre recette, notre assiette fiscale IPP va augmenter. Donc, ça n'est pas catastrophique pour l'avenir, sauf si on est dans une situation de crise profonde, mais alors, un autre problème, mais je ne le crois pas. Troisième facteur, il y a, c'est vrai, une diminution au précompte immobilier. Pourquoi y a-t-il une diminution? Parce que, vous le constatez, il y a une mutation urbanistique. Il y a un certain nombre d'immeubles qui sont en reconstruction. Donc forcément, il y a une perte de revenus fiscaux. Lorsque des immeubles sont modifiés de bureaux en logement, à un moment donné, il n'y a plus que du précompte sur le terrain. Il faut attendre que l'immeuble soit construit pour régénérer de l'impôt au précompte immobilier. Là aussi, c'est quelque chose de momentané, mais en 2022, par rapport au budget 21, vous l'avez constaté, nous avons une diminution au PRI de 900 000 euros de diminution au PRI. C'est momentané, bien évidemment. Je reviendrai dans l'analyse pluriannuelle et j'aborderai en même temps le point suivant du plan triennal. Ça, c'est pour les recettes. Augmentation des dépenses. Les dépenses augmentent de 0,7%. 0,7%, c'est évidemment, pas du tout le reflet de la réalité, puisque, vous le savez, les charges du personnel augmentent, l'inflation reprend. Nous aurons d'ailleurs l'année prochaine deux sauts d'index, ce qui fera une augmentation de la masse salariale de 2,3%. Comme la masse salariale représente plus de 60% de notre budget, vous avez bien compris qu'il faudra trouver, des compensations par ailleurs. Enfin, il y a eu une négociation syndicale qui a été menée au niveau de la région, qui implique une revalorisation barémique, qui, rien que sur l'année 2022, aura un impact de 200 000 euros en plus sur la masse salariale. En d'autres termes, la masse salariale va croître de 2,6%. Comme ça, à vue de nez, je crois qu'on est à 50 millions, 46 millions. Non, moins quand même, j'exagère, 32 ou 37 millions. Enfin, bon. On arrive donc à une croissance importante. Le CPS, on l'a dit, voit sa dotation augmenter de 2% et la zone de police
à une augmentation de 2,4%. Alors vous me dites, ben, comment se fait-il 2, 4, 2, 3, comment se fait-il qu'alors les dépenses n'augmentent que de 0,7%? D'une part, nous avons mis en place un monitoring permanent des dépenses qui fait que nous comprimons au maximum les frais de fonctionnement. Et donc vraiment, je peux vous le dire ici à Auderghem, 1 euro égale 1 euro. On ne dépense pas impunément 1 euro, on doit justifier, et si on peut économiser 1 euro, ben on économise 1 euro. Et c'est ce faisant qu'on arrive évidemment à lutter contre toute forme de gaspillage, de fuite, de dire oh, « dans le cas de l'argent, on le dépense ». Enfin, on connaît ce genre de réaction qu'on pourrait avoir. Le deuxième curseur, deuxième variable d'ajustement, c'est que nous n'avons évidemment plus de moyens pour prélever, à partir du budget ordinaire, des moyens pour le fonds de réserve extraordinaire. Et en réalité, c'était ça, le grand curseur. Vous donnez un exemple, en 2020, nous avons pu mettre 2,8 millions vers le fonds d'investissement extraordinaire. Alors pourquoi fait-on cela? Parce que ça nous permet de ne pas faire de l'endettement. Si on peut payer des investissements en fonds propres, bah évidemment, il n'y a pas de dette. S'il n'y a pas de dette, c'est l'avenir qui est préservé, puisqu'on diminue pour le futur les charges de dette. Ça a toujours été notre politique. Donc, essayer, on ne sait pas le faire à 100%, bien entendu, on le fait généralement dans une règle de 50-50, on y reviendra tout à l'heure. On essaye de faire moitié emprunt, moitié fonds de réserve, fonds propres. Mais cette année-ci, nous ne pourrons pas. Il y a 0 euro en 2022, je vous l'ai dit, 2,8 millions au compte 2020 et 900 000 euros en 2021. En 2021, nous connaissions déjà le début d'une crise, de difficulté. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour le budget ordinaire? Est-ce que réellement on est dans un cycle qui tenterait à dire que, ben voilà, pendant 47 fois on a été à l'équilibre et que la 48e on ne le sera pas? Je ne crois pas. Tout peut être inquiétant, oui, si bien entendu on continue à reporter sur les communes un certain nombre de charges. Nous pensons aux charges des pensions. J'ai ici le tableau, je pourrais vous donner la croissance attendue des cotisations sur la masse salariale. Si il n'y a pas, à un moment donné, et j'ai cru voir aujourd'hui dans la presse que le fédéral travaille sur un projet de compensation pour les pouvoirs communaux, mais s'il n'y a pas un soulagement du côté des charges de pension, ça va être difficile pour les communes, pour toutes les communes. Et nous aurons aussi des difficultés. La réforme des polices, qui se négocie actuellement au niveau fédéral. Vous devez savoir, chers collègues, qu'en réalité, cette police qui a été mise en place et qui est voulue, et encore une fois, je ne porte pas de jugement, par le fédéral, et d'ailleurs le pouvoir communal et le bourgmestre en l'occurrence n'a plus qu'un rôle administratif sur la police. Le rôle de police judiciaire relève de la compétence du chef de corps et qui dépend du ministre de l'Intérieur, voire même du niveau régional, depuis les nouveaux transferts de compétences. Mais vous devez savoir que cette police qui n'est plus tout à fait notre police, puisqu'elle n'est même plus communale, et qu'elle dépend largement d'instructions et d'injonctions des pouvoirs supérieurs, ben c'est 65% financé par la commune et 35% par les pouvoirs fédéraux ou régionaux. Encore une fois, ce n'est pas une situation qui est propre à Auderghem, mais c'est une situation qui nous pénalise. 7 millions de transferts vers la police, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et quand vous devez savoir que dans le budget police, 95% c'est de la masse salariale, vous avez compris que s'il devait y avoir des négociations sans compensation pour les communes au niveau des salaires et des rémunérations des policiers, bah, là aussi ce serait une douche froide pour Auderghem et pour les communes en règle générale. Le président du CPS vous l'a dit, transfert de pauvreté, bah oui, c'est vrai que les statistiques sont plutôt correctes. Il y a moins de personnes inscrites à l'ONEM. Mais objectivement, ça ne veut pas dire et ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, il y a un déplacement
de gens qui ne sont pas dans les conditions pour s'inscrire, qui ne s'inscrivent pas et qui sont devant les CPS. Et là aussi, le revenu d'intégration et le coût de la pauvreté dans ce pays, ben, il est supporté à 65% par le fédéral, mais à 35% par les communes. Et d'ailleurs, si vous analysez, mais je m'attendais, j'avais pointé au cas où à la page 49 du budget du CPS, l'augmentation que nous devons consentir pour intervenir dans cette augmentation de nombre de RIS. Et aujourd'hui, en tout état de cause, le Covid, s'il y a peut-être une diminution du nombre de chômeurs, il y a une augmentation de gens au RIS. Donc, globalement, il n'y a pas encore un retour vers la normale. Au contraire, aujourd'hui, il y a encore davantage de pauvreté qui se crée que de pauvreté qui se résolve depuis la crise du Covid. Alors, le président du CPS et nous-mêmes, nous avons parié sur le fait que la situation n'allait pas s'aggraver. J'espère qu'elle ne va pas s'aggraver, mais nous n'avons évidemment pas ici, à Auderghem, toutes les clés en main pour enrayer la pauvreté en région bruxelloise et dans le pays en règle générale. Et donc, s'il n'y a pas des mesures qui sont prises à cet égard, là aussi, les communes vont devoir passer à la caisse et ça risque de pénaliser durablement les finances communales. Alors, je ne vous parlerai pas de l'inflation qui s'accélère. Alors, certains économistes vous disent que c'est temporaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est plus du tout temporaire. Nous vivrons et nous allons vivre dans une inflation qui va être largement supérieur à ce qu'on a connu ces dernières années. Aujourd'hui, le pivot a sauté, donc aujourd'hui, on est passé dans une nouvelle phase d'augmentation de l'index et donc des salaires. Et enfin, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, s'ils devaient caracoler vers le haut, bah, évidemment, ça peserait sur la dette publique. Donc ça, ce sont des arguments qui sont inquiétants pour l'avenir. Mais à Auderghem, il y a des indicateurs qui sont favorables, sur lesquels nous travaillons quand même déjà depuis un certain nombre d'années pour nous prémunir de ces situations que nous ne pouvons pas maîtriser. Nous ne sommes pas maîtres de l'inflation, nous ne sommes pas maîtres des taux d'intérêt, nous ne sommes pas maîtres de l'évolution de la pauvreté en Belgique, nous ne sommes pas maîtres des choix qui sont faits dans les autorités supérieures. D'abord, le précompte immobilier. Je l'ai dit, a connu un tassement, mais comme c'est une mutation urbanistique, forcément, ça reviendra vers la normale et on peut s'attendre très, de manière tout à fait réaliste, à ce qu'en 23, mais en 24 certainement, il y ait une croissance du PRI de l'ordre de 700 à 800 000 euros. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, le désengagement de l'Europe. L'Europe a décidé, c'est un choix personnel, de quitter et de se recentraliser près de la rue de la Loi. C'est leur choix, ce n'est pas le nôtre. On était très fiers d'accueillir beaucoup d'infrastructures européennes sur notre territoire, mais il est évident que si, et c'est décidé, c'est fait, les immeubles qui sont aujourd'hui libérés à Beaulieu sortiront de la main morte et nous procureront un précompte immobilier. Rien que sur les trois immeubles de Beaulieu, ça fait à peu près 750 000 euros récurrents par an. Il fait qu'on a là ici des paramètres qui nous permettront, je dirais, d'assumer pour l'avenir. Enfin, l'IPP, une étude est sortie tout récemment, ici le tableau, qui montre que certaines communes voient leur IPP diminuer parce qu'ils connaissent une décroissance de population. Nous avons une légère croissance de population, qui n'est toujours pas une population qui est similaire à ce qu'on connaissait dans les années 70, hein, mais qui fait que les prévisions montrent une hausse, sauf catastrophe, évidemment, sociale. Hein, si le chômage avait explosé et qu'on ferme toutes les infrastructures, bon, enfin, forcément, nous connaîtrions une catastrophe au niveau de l'IPP. Donc, là aussi, nous avons des tableaux qui nous permettent de dire qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur une augmentation légère, mais significative de l'IPP. Et on le sait, la commune d'Auderghem étant la commune largement la moins taxée de toute l'agglomération bruxelloise,
si vraiment nous étions dans une situation, mais je ne le souhaite pas, et ce n'est pas le souhait de la majorité, devant une situation de grande difficulté, on a des marges que les autres n'ont plus. Bon, quand on est à 3 900 d'additionnel au précompte immobilier, on n'a plus beaucoup de marge. Nous sommes à 1 990 au précompte immobilier, donc il y a des marges. Mais il ne faut pas, évidemment, plonger dans cette tentation de se dire, après tout, dépensons, on a de la marge. Je pense que c'est véritablement en dernier ressort qu'il faut penser à cela. Alors, est-ce que c'est inquiétant pour l'extraordinaire ? Autant au niveau de l'ordinaire, je l'ai dit, il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas, mais pour lesquels on a des réponses et des certitudes dans les 1 ou 2 ans à venir. Sur l'extraordinaire, je pense qu'on peut être beaucoup plus confiant. Vous le savez, c'est quand même assez exceptionnel. La commune d'Auderghem voit, avec le CBS, la régie, investir plus de 15 millions en extraordinaire. 15 millions. Par tête d'habitant, nous serons probablement la commune record. Alors, on ne le fait pas parce qu'on a envie de dépenser. D'abord parce qu'économiquement, on nous explique, et on a raison, qu'un des facteurs de croissance, c'est l'investissement public. Donc, il faut que chacun y contribue. Investir, quand il peut investir, au moins il faut investir. Et généralement, il faut investir en période de crise pour pouvoir être paré au moment où la reprise est là. On a toujours à avoir une attitude contre-cyclique, comme disait Keynes. Eh bien, c'est ce que nous faisons. 15 millions à l'extraordinaire, avec des projets les plus divers et les plus importants qui vont dans le secteur de la qualité de vie, de nos voiries, de notre place publique, notre association des associations, la maison des associations, que ce soit l'antenne Collin, que ce soit bientôt la maison de jeunes, que ce soit Rouge Croate, et que ce soit déjà le grand chantier de la maison communale pour lequel nous avons déjà reçu plus de 30 candidatures de bureaux d'architecture qui s'intéressent à ce grand projet qui sera celui des prochaines années. Donc, je ne suis pas inquiet pour l'extraordinaire parce que notre politique des années antérieures a fait que nous avons encore un fonds de réserve extraordinaire. Donc, même si nous ne pouvons plus alimenter le fonds de réserve extraordinaire, ce que nous ne pouvons pas faire en 2022, nous avons encore un fonds de réserve de 5 millions qui nous permettra dans les années à venir, de continuer à investir en fonds propres, à soutenir de l'investissement avec de l'argent sans passer par de l'endettement. Il faudra évidemment qu'on se recrée des marges pour pouvoir réalimenter à l'avenir, mais nous avons ce fonds de réserve, je crois que nous sommes une des seules communes à l'avoir. Deuxièmement, l'ensemble de notre dette est une dette à long terme, avec taux fixe. Donc nous sommes à l'abri de la variabilité des taux. Or, la tendance est quand même à l'augmentation des taux d'intérêt, eh bien, cela ne nous touchera pas, ou à la marge. À la marge. Ça veut dire qu'à plus de 90-95%, notre dette est une dette à long terme et une dette à taux fixe. Donc là aussi, nous sommes, je dirais, couverts par rapport à une évolution de conjoncture que, évidemment, nous ne pourrons pas maîtriser. Et enfin, nous sommes encore en attente de recevoir, en fonction des projets qui vont aboutir, venant de la région, des charges d'urbanisme que j'évalue à peu près à 2 millions qui pourront être réinvesties dans nos infrastructures. Et enfin, vous l'avez vu, nous avons procédé et on a signé, je pense, oui, aujourd'hui, la vente de Brutélé. La vente de Brutélé qui, en net, devrait nous rapporter près de 6 millions, mais là aussi, nous avons, le collège, décidé d'affecter cela non pas au budget ordinaire, mais de l'affecter évidemment pour le futur dans les investissements extraordinaires et plus particulièrement dans les gros investissements qui devront être consentis ici pour la maison communale. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, voilà, c'est un budget difficile. C'est vrai qu'à titre personnel, j'aurais préféré vous dire que c'est le nirvana, c'est merveilleux, que tout va bien, mais ce n'est pas ça. La réalité impose de rester humble et modeste,
mais en même temps d'être très confiant. Auderghem ne sera pas dans la situation que connaissent un certain nombre de communes. Il y a deux communes qui vont pouvoir présenter leur budget à heure et à temps. La commune d'Auderghem ce soir et la commune de Berkem. Il faut dire que la commune de Berkem, on n'approche pas, est un peu aidée puisqu'ils ont reçu 3 millions de la région bruxelloise pour pouvoir équilibrer leur budget, ce que nous n'avons pas reçu. Tandis que les autres, ils vont devoir présenter leur budget en janvier, en février, en mars, et on nous annonce des augmentations d'impôts, ce qui nous mettra d'ailleurs tous dans une position, je dirais, pour l'Auderghem, plus confortable, parce que comparativement, nous serons encore dans une meilleure position, enfin, les citoyens d'Auderghem seront encore dans une meilleure position au niveau de la taxation, si les autres communes sont contraintes, et parfois, malgré elles, je le dis bien, à devoir augmenter leurs impôts. Donc en conclusion, oui, nous sommes dans une situation difficile, parce que la crise est tout à fait étonnante et paradoxale, qu'elle nous frappe avec un effet de retard. Certes, le PIB augmente au niveau de l'État fédéral, et c'est une bonne chose, mais ça a un temps retard. Il faut au moins attendre un an ou deux ans avant que ça se ressente au niveau local. Mais c'est tout à fait faisable de maintenir ce cap. Nous avons d'ailleurs décidé d'anticiper, vous le savez, au niveau des charges du personnel. Si nous avons une augmentation aujourd'hui de 200 000 euros suite à la revalorisation barémique, c'est qu'à la différence des autres communes, nous avions anticipé cela, avant même la négociation syndicale. C'est-à-dire qu'avant les autres communes, nous avions accordé la création du second pilier pour notre personnel contractuel. Nous avions déjà procédé à des avancements d'échelle barémique. Nous avions déjà des chèques repas qui étaient plus élevés que dans les autres communes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette négociation syndicale, certes, nous affecte, mais ne nous affecte pas aussi durement que cela peut affecter d'autres communes qui, par exemple, certaines n'avaient même pas de chèque repas pour leur personnel. Donc l'anticipation en politique et en matière budgétaire est quand même toujours la meilleure des règles. Petite anecdote, je me souviens d'un de mes premiers budgets, et je me souviens d'un débat électoral où un membre de l'opposition, qui n'est plus ici, disait « Mais enfin, vous avez de l'argent pour les pensions, utilisons cet argent !» Et c'est vrai, nous avons un fonds de réserve pension. Mais encore une fois, c'est de la bonne politique, parce que tout le monde sait aujourd'hui, mais là aujourd'hui, il y a 18 ans, certains pas, mais enfin, on pouvait déjà le prévenir et le prévoir. On ne va pas être grand clair pour savoir que les charges de pension vont peser de plus en plus lourd dans les budgets des entités publiques et des entités communales, puisque nous sommes les seuls à financer, bien entendu, les charges de pension. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une quarantaine d'années, nous avons constitué des fonds de réserve de pension qui nous permettra d'absorber les chocs. J'ai ici d'ailleurs le tableau qui vient d'être arrêté par le ministère des pensions. Bonjour les dégâts. Quand je vois que les augmentations de cotisations vont passer de 38,50% sur les salaires à 45% en 2026, ça veut dire une augmentation de 6,5% sur la masse salariale, 6,5% sur 40 millions. Vous voyez ce que ça représente, et je ne vous parle pas du coefficient de responsabilisation. Donc le fonds de réserve de pension est aussi le matelas qui nous permettra de gérer, je dirais, sans trop de heurts, ces augmentations de charges de pension. Évidemment, il faudra qu'on lutte sur des tentations de report de charges. Je vous ai parlé des pensions, je vais passer de la réforme salariale de police. Je vais vous citer un autre exemple. Fédération Wallonie-Bruxelles, aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est non fondé, on se dit, ce serait bien si on élargissait les heures de présence pour les crèches. Évidemment, c'est un service supplémentaire pour les parents, et je peux comprendre ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un COPEC qui est affecté pour le financement de cela. Et vous avez compris que si on doit augmenter les plages horaires, on augmente le nombre de membres de personnel, on augmente donc la charge salariale. Il faudra donc qu'on soit très vigilant à éviter qu'il y ait cette tentation
ailleurs, de prendre des décisions qui sont d'autant plus faciles à prendre que de toute façon, on n'en paye pas les conséquences. Et donc, il faudra être très attentif à lutter contre pour que nous ne soyons pas en 2023 ou 2024 dans une situation qui ne serait pas celle que je décris aujourd'hui. Voilà, chers collègues, le budget 2022 qui est présenté dans une situation de crise, mais de manière assez exceptionnelle, en équilibre, avec maintien des taux, sans qu'il y ait de porte, sans qu'on porte atteinte à n'importe quelle politique, et avec un plan d'investissement qui est terriblement ambitieux, plus de 13 millions d'investissements. Je pense que c'est du non-vu. D'ailleurs, nous n'avons jamais atteint ce niveau d'investissement ici à Auderghem, mais je pense que c'est la leçon que nous devons tirer de la situation de crise dans laquelle nous sommes. Je vous remercie. Et merci, M. Bourgomestre, pour cette longue, claire intervention concernant le budget communal. Je propose de donner la parole à chacun de nos chefs de groupe. Pour commencer, M. Mathieu Pilot. Oui, merci, M. le Président. M. le Bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, chers collègues, alors, M. le Bourgmestre a déjà beaucoup détaillé ce budget 2022, donc je vais essayer de ne pas la faire trop longue non plus et de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Mais ce que je tiens déjà à souligner, c'est que le budget qui nous est présenté ce soir est un budget crédible, ambitieux, malgré un contexte difficile. Comme prévu, les conséquences de la crise sanitaire, qui n'en finit plus malheureusement, continuent à fragiliser les finances communales qui étaient saines jusqu'alors. De plus, les communes sont soumises à de nouvelles charges inhérentes à des décisions régionales et fédérales, nous en avons parlé. Ces nouvelles dépenses, la commune a pu y faire face car depuis maintenant des décennies, nous avons tenu une gestion budgétaire prévoyante afin justement de pouvoir nous permettre d'absorber des impacts négatifs quand ils se présenteraient. C'est grâce donc à cette rigueur budgétaire et à une grande maîtrise de nos dépenses, sans augmenter les impôts des citoyens, que nos finances communales tiennent le choc encore cette année. Mais nous ne sommes pas sortis définitivement de la zone de turbulence. En effet, comme le démontre le plan triennal 2022-2024, nous devrons être encore plus rigoureux dans notre gestion des deniers publics pour faire face à des augmentations importantes de nos dépenses et poursuivre une politique d'investissement sans toucher aux impôts. C'est pour ces raisons que je tiens à souligner que pour la 46e année consécutive, le budget communal qui nous est présenté ce soir est à l'équilibre. 46 ans sans le moindre déficit. Voilà un chiffre qui ferait rêver beaucoup de gestionnaires publics, mais qui n'est jamais que le fruit d'une gestion prévoyante de la part des autorités communales. Le résultat de cette gestion rigoureuse est clair. Les Auderghemois ne connaîtront pas d'augmentation d'impôts et ils vont donc continuer de bénéficier des impôts locaux les plus bas de Bruxelles. Pour un ménage moyen, la différence se chiffre tout de même entre 600 et 900 euros de moins par an par rapport aux communes voisines. Notre groupe se félicite qu'à Auderghem, nous allons pouvoir entamer une nouvelle année sans la moindre hausse d'impôts. Malgré le contexte financier difficile, je souhaite également souligner une réelle envie d'investir là où ça leur apportera le plus pour nos concitoyens, comme la concrétisation des projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif, ainsi que des projets améliorant de façon durable le cadre de vie des Auderghemois. Je citerai notamment la rénovation des trottoirs et des voiries, la rénovation du square du Sacré-Cœur et de l'avenue Daniel Beaune, la verdurisation de l'espace public, le renouvellement des plans de jeu, des aménagements supplémentaires destinés à favoriser la mobilité douce, les investissements dans la politique sportive, la petite enfance et la propreté publique. Les investissements conséquents pour les grands projets prévus aussi dans l'accord de majorité sont également à l'ordre du jour. Je pense notamment à la rénovation de la maison communale, au projet Colin, ainsi qu'à la construction de la future maison des associations. Auderghem renforce également ses investissements dans la sécurité et la prévention et dans son aide sociale au bénéfice des Auderghemois au travers des dotations communales à la zone de police et au CPS d'Auderghem qui sont en augmentation. Ainsi, plus de 13 millions d'euros sont prévus au budget extraordinaire pour 2021. À cette somme, on peut également adjoindre le montant de 1,5 million d'euros pour les investissements de la régie foncière qui permettront d'augmenter le parc communal des logements et mener une politique de logement moyen au-delà de l'offre de logements sociaux. Et n'oublions pas les investissements du CPS pour près de 800 000 euros.
soit un peu plus de 15 millions d'euros d'investissement. C'est 27% du budget ordinaire. Peu de pouvoirs publics peuvent se targuer d'avoir une capacité d'investissement si performante. J'ajouterai également que ces investissements se font sans augmenter notre charge de la dette. C'est à nouveau un message important pour les Audergaismois. Nous investissons pour nos générations futures sans leur faire porter le poids d'une dette importante. C'est grâce à cette rigueur budgétaire qu'Audergaism est aujourd'hui une des communes qui a proportionnellement l'une des plus grandes capacités d'investissement en Belgique. Peu de communes peuvent encore se le permettre comme nous le faisons à Audergaism. C'est grâce à cette gestion prévoyante que nous pouvons créer chaque année de nouveaux services pour les habitants, sachant que l'enjeu pour les années à venir sera la préservation et le renforcement de notre qualité de vie. Enfin, je souhaiterais souligner que ces investissements sont rendus possibles par des frais de fonctionnement qui restent une nouvelle fois sous la barre des 10%, loin en dessous de la moyenne des autres communes, mais également par une maîtrise des dépenses en matière de personnel. Notre groupe se réjouit par ailleurs de voir la commune poursuivre ses efforts en faveur de son personnel en matière de revalorisation salariale et de financement du deuxième pilier en matière de pension. La revalorisation de l'ensemble des services des pouvoirs locaux est plus que légitime et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Certains l'attendaient depuis plus de 15 ans. Ces services ont en effet démontré leur utilité durant la crise en assumant des services de proximité au plus près des citoyens. Je voudrais donc une nouvelle fois saluer le travail exemplaire du personnel de l'administration communale et du CPS depuis le début de la crise sanitaire. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre groupe votera favorablement la proposition de budget 2022 qui nous est soumise et qui, je le répète, est en grande partie consacrée à l'amélioration de cadre de vie des Audergaismois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pilloy. Je donne maintenant la parole au chef de groupe Écolo Groen, Monsieur François Le Bovy. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevines et les échevins, chers collègues, ce budget est un budget difficile vu les circonstances liées à la crise sanitaire. Difficile, certainement, mais qui reste ambitieux vu le nombre d'investissements. Notons au budget extraordinaire quelques projets emblématiques. Le projet Colin, qui bénéficie de 585 000 euros. L'étude de faisabilité du skatepark, un projet porté par de nombreux habitants via le budget participatif. Les nombreux projets du budget participatif, ce budget qui traverse les domaines de la culture, des loisirs, du vivre ensemble et de l'environnement. Notons également la rénovation de notre maison communale et les travaux de voirie et de trottoir pour lesquels 4 460 000 euros sont alloués. Il est aussi important de souligner dans le budget ordinaire l'investissement dans nos écoles et nos crèches via la prise en charge d'une grande partie d'enseignants et de puéricultrices à charge communale, et ce pour garantir un accompagnement optimal des enfants dès le plus jeune âge. Ajoutons à cela des classes limitées à 20 élèves, un professeur de remédiation par école, une orthopédagogue, un conseiller et un conseiller pédagogique, soit 33 équivalents temps plein à charge communale pour fournir un enseignement de qualité à 1300 élèves. Notons également l'aide spécifique aux directions via le secrétariat et un coaching, la poursuite du projet de soupe gratuite ainsi que l'acquisition d'un logiciel de communication entre les familles et les écoles. Nous voterons favorablement à ce budget. Pour le groupe MR Open VLD, Madame Mascarin. Ce sera moi, si vous permettez. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, chers collègues, les deux années qui viennent de s'écouler n'ont pas été simples pour la population, elles ne l'ont pas été non plus, nous en sommes conscients, pour les gestionnaires des deniers communaux. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui est impacté par la crise sanitaire, tant en raison des dépenses supplémentaires qu'elle engendre que parce qu'elle accroît la précarité des personnes les plus vulnérables ou de celles qui ont été directement touchées par les mesures de restriction de l'activité économique. Nous sommes conscients que si la situation budgétaire de la commune garde encore la tête hors de l'eau, c'est grâce à la gestion rigoureuse des décennies précédentes.
Quant à savoir s'il aurait fallu, à l'époque où tous les indicateurs étaient au vert, se montrer un peu plus audacieux dans les investissements et l'attractivité de la commune, c'est une question à laquelle nous n'aurons jamais la réponse. Nous voudrions cependant vous faire part de notre inquiétude pour l'avenir. L'avenir à court terme, car nous nous demandons si le budget 2022 tient suffisamment compte des incertitudes que la crise sanitaire continue à faire peser sur la situation socio-économique des personnes et de nombreux secteurs d'activité. Mais aussi l'avenir à moyen terme, car nous abordons la seconde partie de la législature et que les élections communales de 2024 se rapprochent. Or, vous savez comme moi que les années électorales des dépenses communales font souvent un bond en avant. Sera-t-il possible, dans de telles circonstances, de maintenir la position fiscalement enviable de notre commune ? Les prochaines années seront, quoi qu'il arrive, plus difficiles. Vous devrez gérer des dépenses en hausse, notamment en raison des prix de l'énergie et des dépenses sociales, et peut-être aussi des recettes en recul. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. le bourgmestre sur les additionnels à l'IPP et aux précomptes immobiliers, mais je pensais par exemple à l'occupation des bureaux. Nous pensons donc qu'il est important de regarder la réalité en face et d'aborder dès maintenant le travail budgétaire en tenant compte de cette nouvelle donne, aussi peu agréable soit-elle. Pour l'année qui se termine et pour celle qui commence, nous voulons croire que vous avez, comme nous, ces préoccupations en tête. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, le groupe MR Open VLD approuvera le budget communal. Je vous remercie. Et pour finir les prises de parole, Madame Rigaudenzo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, effectivement, les pouvoirs publics traversent une période budgétaire très difficile. À tous les niveaux, à tous les étages de la fusée, il y a des difficultés. Et évidemment, Auderghem n'y échappe pas. On est face à une situation où, quand on analyse, quand on prend la peine d'analyser ces documents qui parfois sont un petit peu indigestes, mais quand on s'y plonge, on constate assez rapidement, et c'est assez frappant, la diminution des recettes. Et quand on regarde, quand on va un peu plus finement et qu'on regarde où se trouvent ces diminutions de recettes, on constate qu'elles proviennent souvent, ces diminutions, aussi des moyens financiers qui viennent des autorités supérieures. Donc ça signifie bien qu'on a déjà une part de la balance où on a les recettes qui diminuent. Et c'est là, Monsieur le Bourgmestre, que je voudrais insister. Pour une fois et pour la première année, sans doute, depuis que je siège au Conseil communal, je suis à 100% d'accord avec ce que vous avez exposé. Vous en avez d'une part la balance qui est en négatif au niveau des recettes. Nous avons d'autre part, et je salue le travail de la majorité à cet égard, on constate qu'en revanche, la balance, le plateau des dépenses reste, si pas à l'équilibre, à tout le moins même en augmentation. Ça signifie quoi ? Ça signifie que dans des périodes difficiles, comme les pouvoirs publics les traversent, mais les citoyens, évidemment, en premier niveau, c'est que vous ne diminuez pas les services offerts à la population. Or, dans une situation difficile de crise, la tentative pourrait être grande de diminuer, évidemment, ces services pour retrouver dans un exercice, somme toute théorique, comme vous l'avez souligné, qu'il pourrait être facile de présenter un exercice théorique à l'équilibre. Ce qui n'a pas été le cas, on voit bien, les dépenses restent identiques, voire en augmentation. Et c'est là, évidemment, le rôle complet des pouvoirs publics, c'est de servir de rempart à la situation des citoyens qui vivent des périodes difficiles. C'est le rôle de tous les étages de la fusée, et vous participez à cet égard, à cet effort collectif. Et donc, je voulais saluer vraiment le travail fait par la majorité. La tentation aurait pu être grande de diminuer ces dépenses. Vous ne le faites, vous ne le faites pas. Et ça mérite véritablement d'être souligné. J'avais néanmoins trois petites questions. Alors, absolument, qui ne remettent absolument pas en question ce que je viens de dire. C'est pour mon éducation personnelle. Trois petites questions sur lesquelles finalement je n'ai pas spécialement eu de réponse à l'examen des documents. Vous prévoyez, et c'est vraiment des détails, vous allez me le dire, hein, mais vous prévoyez en 2022 une augmentation budgétaire dans la prise en charge des fabriques d'églises. Alors c'est une dépense qui est obligatoire. C'est une augmentation de 26% par rapport à 2021. Je me demandais comment est-ce que vous aviez pu établir cette augmentation
pour le budget 2022. Est-ce que vous avez eu des rencontres finalement avec les représentants des cultes qui vous ont peut-être indiqué déjà ces montants, cette augmentation future? Est-ce que c'est dû éventuellement à l'établissement l'établissement d'un nouvel établissement culturel sur le territoire? Donc voilà, et j'en suis assez étonnée parce que si on reprend depuis 2020, si j'ai bonne mémoire, on est à une prise en charge de 18 000 et puis on est dans les 40 000 et là maintenant on est à 50, plus de 50 000 euros, ce qui est quand même une augmentation assez subséquente. Et donc je m'interrogeais sur cette augmentation quand même très très importante. Et je sais que comme le bourgmestre a le droit de siéger au sein des CA, est-ce que ça s'appelle un CA? Oui, c'est un CA. Et même membre de droit, si je ne me trompe, du CA de la Fabrique d'Église. Donc, je voulais savoir si vous aviez eu des rencontres, des informations à ce sujet. C'est ma première question. Ma deuxième question concerne plutôt le budget participatif. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir prochainement un conseil communal où on pourrait aborder en fait l'état des lieux de ce dossier, non seulement de savoir quels sont... Parce on a eu le sujet au moment du lancement, on n'en a plus, enfin en tout cas moi je ne suis plus vraiment à jour là, et je n'ai pas retrouvé non plus en tout cas il est difficile dans le document de pouvoir retrouver ce qui est finalement repris via le budget participatif. Et enfin, dernière question, et vraiment j'en terminerai par là, et vous verrez, c'est vraiment du détail. Il y a un subside dans le dispositif jeunesse, éducation, population, sport et loisirs, un subside exceptionnel RUA de 35 000 euros. Et donc, je me demandais si vous saviez me dire ce qu'il en est. Et si vous n'êtes pas en mesure de me le dire, une réponse écrite me conviendra parfaitement. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Alors, je donne la parole dans un premier temps pour les fabriques d'église à notre bourgmestre, qui l'avait d'ailleurs déjà expliqué lors de la commission finance de mardi. Mais vous avez raison, le déficit des fabriques d'église ne fait que croître. Vous savez d'ailleurs qu'à un moment donné, au Conseil communal, il y a eu un vote majoritaire contre, et que cette décision a été cassée par la tutelle. Un peu... L'incohérence de la loi, c'est qu'en réalité, on nous demande de voter, mais en réalité, peu importe le vote, rien n'y fait. Nous sommes tenus, en fonction du décret napoléonien, d'intervenir dans le déficit. Une bonne nouvelle, là-dedans, c'est que l'ordonnance avance au niveau régional et qu'en principe, en 23, ce serait un montant qui sortirait de notre budget. Il y a déjà 50 000 euros qui vont être gagnés pour ceux qui vont faire le budget en 2023. Mais oui, nous sommes présents aux réunions. Oui, nous essayons de contraindre les dépenses. Mais à l'honnêteté, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont parfois des grands paquebots à gérer. Ils coûtent cher sur le plan de la gestion immobilière. Et évidemment, la pratique n'est plus celle qu'on connaissait il y a 20 ans, 30 ans. Et donc, le résultat des quêtes n'est plus le même. Ce qui fait que les déficits sont à notre charge. C'est un phénomène qui est évidemment propre à toutes les communes et qui fait qu'il y a une augmentation substantielle. Vous devez savoir aussi qu'au-delà de la fabrique d'église, nous sommes propriétaires d'une église et qui est la plus ancienne d'ailleurs et qui effectivement nous coûte aussi de l'argent parce que nous devons l'entretenir. C'est notre patrimoine, c'est normal. Le clocher, on refait à l'intérieur, on crée des chapelles à l'intérieur, on fait le chauffage, etc., etc. Et d'ailleurs, cette église, si vous la fréquentez de temps en temps, elle est tout à fait exemplaire en termes de gestion. Non, mais je vous demande pas de vous dévoiler ici. Je donne simplement une information cultuelle, comme vous dites. Donc voilà, pour les fabriques d'église, oui, on suit, mais incontestablement, des mesures devront être prises au-delà de l'ordonnance. Je pense que les responsables des cultes devront quand même être raisonnables à un moment donné, parce qu'ils sont avec du patrimoine dormant, et qu'ils devront réfléchir à une remobilisation de ces espaces pour donner d'autres affectations.
avoir, je ne sais pas, prenons l'église Saint-Julien, je la vise, mais elle est très grande, mais en réalité, elle n'est quasi plus utilisée. Enfin, l'église elle-même n'est quasi plus utilisée, c'est la chapelle, pour l'essentiel. Tout simplement, ça coûterait trop cher de chauffer tout ce bâtiment. Donc, il faudra que, mais nous ne sommes pas propriétaires, il faudra que les propriétaires se posent la question de savoir, mais que faire, quoi, comment, etc. Donc là, il y a une réflexion à avoir. Il semblerait que la région prend la main là-dedans, et c'est une bonne chose. Et donc, ça sera aussi un soulagement. Pour le budget participatif, bah, Madame De Vos vous donnera exactement l'état des lieux. Pas de souci de faire une commission, hein, mais je pense que c'est publié, je crois même. Oui, en fait, c'est prévu. Donc, nous avions l'intention de faire une grande soirée de remise des résultats le 3 décembre à destination du conseil communal, des lauréats, de tout citoyen qui souhaitait s'inscrire. Ça n'a pas été possible, étant donné la situation sanitaire, une fois de plus. Et donc, à l'époque, j'avais envoyé un mail à tout le conseil communal en disant, voilà, nous prévoyons une commission en janvier pour, effectivement, vous tenir au courant de l'état des lieux de ce budget participatif. Donc, c'est prévu. Et est-ce qu'on a déjà... on sait les projets qui ont été retenus, quand même, en allant sur le site. On a tous les projets qui sont retenus avec les valeurs, etc. Tout ça est publié sur le site. Hein. Et tout est intégralement repris dans le budget extraordinaire de 2022. Et alors, pour le projet sport? Donc, la REA, qui est la Royal Union Under Game, qui est notre club de football, qui occupe une grande partie des occupations du stade communal. Et ce subside va servir à financer une partie de la rénovation de la buvette au stade communal. Alors, il suffit de s'y rendre. Il y a des morceaux de carrelage qui manquent. Enfin, bref, on peut aller faire une petite visite. Et étant donné que la REA est gestionnaire de la buvette, un article de la convention qui nous lie avec la REA stipule qu'ils sont censés entretenir et prendre à charge ces petits travaux. Après, on va rester honnête et correct. La buvette n'a pas été rénovée depuis sa création. Je pense que je n'étais même pas née. Et donc, on va les aider dans la rénovation de la buvette. Ils vont d'autre part pouvoir aussi contracter des sponsoring grâce au fait que c'est eux qui vont rénover. Et donc, c'est aussi une manière de soutenir un de nos gros clubs sur la commune. Voilà. Madame de Fossel, votre grand-père doit se retourner là, en dire quoi et tout ce qu'il a fait, non, j'ai pas dit ça, doit se retourner. Pourquoi est-ce que vous voulez déjà parler? Ben oui, parce qu'il a agrandi la buvette, hein. Papy Jo a agrandi la buvette. Hein. Ah, Monsieur le Président, j'avais dit que c'était exceptionnel, ce budget, deux fois, exceptionnel trois fois, puisqu'on semble faire l'unanimité. Donc, si l'unanimité il y a quand même un vote désiré, oui, je vous écoute. Juste une précision par rapport à l'ordonnance culte. Sachez, Monsieur le Bourgmestre, qu'elle vient d'être publiée aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, quand vous indiquiez... Et donc là aussi, c'est peut-être exceptionnel à ce niveau. C'est effectivement une forme de revalorisation des pouvoirs locaux, vu que l'ensemble des charges seront reprises désormais par la région et non plus par les pouvoirs locaux. C'est une bonne nouvelle en un an, une autre. D'accord, 1 000 euros. Donc, je suppose que le budget communal ainsi que le plan triennal sont... accepté. Unanimité. C'est donc très bien. Nous avons le point 20 maintenant. Il s'agit du produit de la succession de Paulier, la rétribution pour l'année 2021. Je suppose aussi qu'il n'y aura là aucune question. Non. Le point 21 concerne l'octroi d'une allocation de fin d'année pour 2021. Pas de questions non plus. Monsieur le bourgmestre nous l'avait annoncé, la commune octroie des écochèques assez exceptionnels, un montant de 250 euros pour les personnels d'accueil de la petite enfance. C'est le point numéro 22 pour lequel personne ne verra non plus, je pense, d'objection. Voilà. Alors avant, on va passer d'abord à la question orale de Madame Mascal à propos de la politique régionale de stationnement. Je vous donne la parole, Madame Mascal. Merci. Le temps que je... Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, et sans masque peut-être, on m'entendra bien. Le gouvernement de Bruxelles Capitale travaille... Je viens un peu abréger parce que, évidemment, j'ai posé ma question il y a une bonne semaine. La situation
C'est parti un peu dans tous les sens. Et je vous avoue très honnêtement que je ne suis pas sûre d'avoir le tout dernier carat. Donc je vais, voilà. Le gouvernement de Bruxelles-Capitale travaille donc à un avant-projet d'ordonnance portant sur l'organisation de la politique de stationnement et définissant les missions et modalités de gestion de l'agence du stationnement de la région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit d'une troisième lecture. Suite à une concertation avec les communes, Brulocalis avait transmis un avis à la ministre de la Mobilité et un nouveau projet d'ordonnance est passé en deuxième lecture au gouvernement. L'objectif annoncé de la ministre de la Mobilité était de faire approuver le projet en troisième lecture, donc avant la fin de cette année. À l'heure de rédiger cette question, je n'avais donc, comme je viens de vous le dire, pas le dernier carat de l'information. La politique de stationnement à Bruxelles est un élément primordial dans le cadre des objectifs de mobilité, d'accessibilité des commerces, de qualité de vie et de report modal. Cette politique n'est pas sans impact sur l'autonomie des communes d'une part et sur la manière avec laquelle elles sont associées à participer au futur plan régional de stationnement d'autre part. Madame Sophie DeVos, échevine de la mobilité, avait d'ailleurs répondu cela à une question du conseiller Mathieu Pillois en mars dernier. Sur base de ces éléments et du calendrier actuel énoncé plus haut, nos questions sont les suivantes. La position du collège a-t-elle évolué depuis le mois de mars? La région a-t-elle entendu les critiques et corrigé le tir? Notre commune a été sollicitée par Brulocalis pour évaluer l'actuel plan régional de politique de stationnement, le PRPS, au niveau stratégique et au niveau de son application locale. Que pouvez-vous nous dire quant à l'évaluation du PRPS communiqué à la région? Quels étaient les principaux points négatifs que vous avez communiqués quant à l'application du plan actuel? Question suivante. Qu'avez-vous prévu en termes de participation citoyenne en amont du prochain PRPS et de la contribution de la commune à son édification, notamment en termes d'objectifs de suppression ou de création de places de stationnement? Certaines communes, comme Jette, ont demandé à Hub Brussels de réaliser une étude afin d'objectiver les besoins en termes de stationnement à l'échelle de leur territoire, notamment dans les quartiers commerçants. Avez-vous prévu de faire pareille demande à l'agence régionale? Si oui, pensez-vous intégrer cette analyse dans la politique de mobilité ou dans le plan communal de mobilité à venir? Avez-vous, par exemple, retenu l'idée de mettre en place des places shop and go aux alentours des commerces? Sinon, pourquoi? Nous vous remercions. J'aimerais donner dans un premier temps la parole à M. François Lebovy pour le groupe Écolo Groen. Merci, M. le Président. Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, nous voulions préciser certaines choses. Vous dire que le processus législatif régional conduisant à l'adoption d'une ordonnance appartient bel et bien au gouvernement bruxellois, mais aussi et surtout, in fine, au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Pour nombre d'entre elles, les communes ne sont peu ou pas consultées. Néanmoins, le cabinet de la ministre Van den Brand a, sans que pesait sur lui aucune obligation de le faire, décidé d'associer les communes et de leur demander leur avis sur un projet de texte après son adoption en première lecture au gouvernement. Les communes ont en outre été invitées à participer à deux ateliers afin d'alimenter la réflexion sur la politique de stationnement en général et sa déclinaison au niveau communal. La question de la tarification a été abordée et les conclusions de l'atelier sont les suivantes. À l'exception d'une commune, l'ensemble des communes participantes ont admis un principe d'augmentation des tarifs à l'eurodateur des différentes zones. De manière encore plus prégnante que pour la tarification à l'eurodateur, l'ensemble des communes participantes ont admis que la redevance forfaitaire devait augmenter. Enfin, sur la tarification de la carte riverain, l'ensemble des communes, excepté une, a admis le principe d'augmentation du tarif de la première carte riverain, d'augmentation du tarif de la seconde carte riverain et de la suppression de la troisième carte riverain. Comme vous l'aurez compris, le consensus sur la politique tarifaire du stationnement dépasse donc largement les clivages politiques et permettra, nous l'espérons, et comme prévu dans l'accord de majorité régionale, je cite, de réduire l'emprise du stationnement sur l'espace public en favorisant le report vers le stationnement hors voirie. Ceci pour augmenter la qualité de l'espace public et par cet effet, augmenter la qualité de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Nous espérons que les discussions sur le sujet, que nous savons politiquement difficiles, pourront continuer à évoluer dans un cadre serein et alimenté par des réflexions scientifiques ou académiques.
Je vous remercie. Et pour vous répondre maintenant, notre échevine de la mobilité, Sophie Devos. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question. Alors, en ce qui concerne vos deux premières questions, tout d'abord, je peux vous dire que la position du collège n'a absolument pas varié d'un iota depuis son adoption le 5 mars dernier. Alors, je ne peux pas vous dire si notre avis a été entendu ou pas par la région, car en fait, les communes ne sont pas associées au processus législatif régional une fois les avis rentrés. Les discussions sur l'ordonnance sont du ressort du gouvernement bruxellois. Par contre, les communes ont, comme nous le demandions, effectivement été invitées à un processus de concertation sur les arrêtés d'exécution, ce qui est un point positif et quand même plus que logique, puisque nous sommes concernés au premier plan. Alors, en ce qui concerne ce trajet de concertation, donc on a déjà eu deux ateliers au mois de novembre, un sur les principes liés aux tarifs et non pas sur les montants, ça je voudrais bien le préciser, sur les zones de stationnement et sur les dérogations, et un autre atelier sur les parkings publics. Alors, ce trajet de concertation se poursuivra en janvier avec de nouvelles réunions, et la commune participe activement à ces différentes rencontres avec le fil conducteur, qui est l'avis que nous avons rendu au mois de mars. Alors, c'est vrai qu'il y a des décisions assez unanimes, comme la suppression de la troisième carte, mais enfin, au Dorgue, on n'en avait déjà pas. On n'a pas de rodateur non plus, donc effectivement, on n'était pas tellement difficile d'être d'accord. En ce qui concerne donc le plan maintenant régional dont vous parliez de la politique de stationnement, donc nous avons répondu à la demande de Brulocalis sur l'évaluation de celui-ci. Nous avons indiqué que nous souhaitions que le futur plan garde une souplesse nécessaire, indispensable, pour permettre aux communes d'adapter le mieux le cadre réglementaire aux réalités locales qui sont différentes d'une commune à l'autre et même parfois d'un quartier à l'autre au sein d'une même commune. Donc, le nouveau PRPS devra intégrer les nouvelles visions emportées par l'ordonnance et le plan Good Move, ainsi qu'intégrer les nouveaux modes de déplacement. On voudrait un accompagnement proactif des communes pour mettre ce plan en œuvre au niveau local. Il serait idéal qu'on ait un SPOC, un point unique de contact dans le cadre de cette mise en œuvre quotidienne, ainsi que la mise en place aussi d'outils de gestion performants. Nous n'avons pas rencontré par ailleurs de difficultés particulières dans la mise en œuvre du plan et de ses arrêtés. Alors, en ce qui concerne la participation citoyenne, ce n'est pas à notre niveau que ça se passe. Nous ne sommes qu'au début du processus d'adoption de ce plan qui est donc régional. Donc, il faudra d'abord adopter et promulguer la nouvelle ordonnance, puis les arrêtés d'exécution, afin de lancer la rédaction donc, du PRPS. Et nous répondrons, comme nous le faisons toujours, donc, à toutes les demandes qui émaneraient du pouvoir régional par rapport à cette construction de ce nouveau PRPS. Et donc, on est vraiment tout à fait enchantés de pouvoir participer, bien sûr. Nous n'avons pas à ce jour demandé d'études complémentaires, puisque nous attendons la réforme régionale afin d'appliquer la nouvelle réglementation. Nous n'avons pas envie de travailler pour rien. Ça ne sert à rien de modifier aujourd'hui notre plan communal, puisque nous en attendons un nouveau plan régional. Donc on attend d'avoir d'abord le plan régional et puis on s'attaquera au plan communal, puisqu'on aura un certain nombre de balises de contraintes qui seront déterminées. Et puis pour répondre à votre dernière question sur le Shop & Go, nous avons en fait déjà des places 30 minutes aux abords de différents commerces qui assurent une certaine rotation. Et comme nous n'avons pas de zone payante à Oudergem du tout, nous sommes une des rares, si pas la seule commune à ne pas avoir de zone payante, eh bien nous avons déjà ce stationnement qui est gratuit aux abords des commerces. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Je peux juste répondre. Oui, mais je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Bon, j'étais un petit peu étonnée d'avoir d'abord une réponse du conseiller communal, mais voilà, j'ai une double réponse. Évidemment, je suis bien d'accord avec vous qu'il est important de tenir compte des réalités locales. Par exemple, l'augmentation du parking hors voirie dans la configuration d'une commune comme Oudergem, ça ne me paraît pas particulièrement réaliste. Donc, je dis ça avec attention. Donc, si cela clôt le débat, j'aimerais vous dire deux choses avant de passer à la partie du conseil communal à huis clos. Deux petites choses. D'abord, souhaiter à notre nombreux public de bonnes fêtes de fin d'année et
tous mes voeux ainsi que ceux de l'ensemble du collège et des conseillers communaux pour l'année 2022. Mais d'autre part, c'est un honneur pour moi que de présider ce conseil communal, le dernier conseil communal où une échevine, Madame Jeannie Crucifix, et un bourgmestre vont nous quitter. Et c'est un grand honneur pour moi parce que ce sont des personnes qui ont donné de leur personne pour la commune et qui ont fait de notre commune ce qu'elle est actuellement, et très certainement notre bourgmestre qui, comme on l'a dit, a présenté 47 budgets. Moi, c'était le premier que je présentais aujourd'hui. Donc, avant, un applaudissement nourri pour ces deux personnes qui nous quittent clairement du collège, bien entendu, pas du conseil communal. Monsieur Pilois voudrait prendre la parole également. Oui, merci, monsieur le président. Voilà, au nom de notre groupe, j'aimerais remercier chaleureusement notre bourgmestre pour ses 45 années de vie politique active et son investissement au niveau régional et surtout local. Cet investissement qui lui a permis de développer des politiques innovantes et ambitieuses à la fois au niveau régional et aussi et principalement en ce qui nous concerne ici au niveau communal. Un investissement aussi avec toujours comme principe fondateur la bonne gestion publique au service des citoyens. Alors voilà, j'aimerais encore une fois le remercier pour la gestion sans faille de notre commune qui est devenue, je pense, un modèle de bonne gestion, de vie paisible et de participation démocratique et un exemple, à mon avis, à suivre dans d'autres communes bruxelloises. Je tiens également à remercier Jeannie Crucifix pour son investissement et ses nombreuses années en tant qu'échevine à Auderghem au service des citoyens pour qui elle a toujours eu une oreille très attentive. Elle le sait en descendant chaque jour, je pense, la chaussée de Wavre. Elle ne cesse de se faire arrêter et d'arriver parfois un peu en retard aux réunions parce qu'elle discutait avec l'un ou l'autre citoyen. Voilà, en tout cas, je voulais une nouvelle fois vous remercier et vous souhaiter beaucoup de succès dans tous les projets futurs que vous allez maintenant entamer. Et voilà, vous remercier encore une nouvelle fois au nom de, je pense, notre groupe et de l'ensemble des conseillers communaux présents ce soir. Voilà. Je voudrais vous remercier pour cet hommage. La vie est ainsi faite qu'il faut savoir tourner des pages. Et qu'il y a 3 ans, en tout cas, je m'étais engagé à penser aussi au renouvellement. C'est clair que j'avais toute la légitimité, je crois, démocratique, pour pouvoir aller jusqu'au bout du mandat. Mais je pense aussi que dans les moments les plus difficiles que va connaître notre société, pas seulement au niveau des finances, mais même dans sa cohésion. Quelque chose qui m'inquiète terriblement, c'est que nous sommes encore capables de faire société. Nous sommes capables de dépasser nos intérêts individuels, parce que nous sommes capables de penser collectivement et d'oser peut-être prendre sur soi pour faire gagner l'ensemble. C'est une inquiétude que j'ai. Et j'ai la faiblesse de penser qu'ici, à Auderghem, sur ces différentes législatures, majorité et opposition comprises, nous sommes toujours parvenus à échapper à ce danger qui guette la classe politique, à savoir les petits jeux, les petites phrases, voire de la flibuste, le cas échéant, qui ne fait certainement pas gagner du temps, mais qui n'apporte pas beaucoup de crédit à la classe politique. Il est sain, évidemment, qu'il y ait des opinions différentes, parce que personne n'est détenteur de la vérité. Et quand on exerce le pouvoir, on essaie de le faire le mieux qu'on peut, mais bien entendu, on commet des erreurs. Bien entendu, on peut aussi avoir des choix qui ne sont pas les plus opportuns. Et je n'oserais pas dire que pendant les 45 ans, il n'y a pas eu des mauvais choix qui ont été faits dans la commune d'Auderghem. Oui, parfois, nous nous sommes trompés, mais nous avons, en tout cas, chaque fois, je crois, avec beaucoup de sagesse et de modération, tenté de partir vers le haut
et d'essayer de dégager le plus grand des consensus dans l'intérêt de la population et, je dirais, dans l'intérêt aussi de l'institution que nous représentons. Car moi, c'est un engagement que je porte depuis de longues années. Si je puis dire, 45 ans au collège, je suis engagé dans la vie politique depuis près de 50 ans, à d'autres niveaux, parce que je travaille au niveau de la jeunesse, non pas avec des mandats politiques. Et depuis toujours, j'ai la conscience que faire une collectivité, avoir des intérêts communs, pouvoir transcender ses intérêts individuels, aller de l'avant collectivement, c'est sans doute la meilleure manière de dépasser les dangers qui nous guettent, et parfois des dangers de plus en plus prenants quant à la survie même de l'institution démocratique. Quelque chose auquel vous devez tous, vous qui êtes beaucoup plus jeunes que moi, penser. Certes, il y a les enjeux climatiques, et je sais que nos amis, certains de nos amis sont très sensibles à ça, ils ont tout à fait raison, mais tous ces enjeux, nous n'allons pas les résoudre si, comment dire, la cohésion sociale faiblit. Si nous ne sommes pas capables, à un moment donné, de dégager une force collective, si nous ne sommes pas capables, à un moment donné, de mettre de côté nos intérêts individuels, nous ne résoudrons aucune crise, et certainement pas la crise climatique, énergétique ou la mutation technologique qui va avoir un impact terrible sur nos politiques d'enseignement et de formation. Donc c'est peut-être le message que je voudrais vous laisser à vous les jeunes, c'est bien sûr continuer à bien gérer cette commune, parce que c'est notre mission, c'est notre règle, de le faire dans l'esprit qui a toujours été le nôtre, et on le voit encore lors de ce conseil communal, qui, j'ose le croire, n'est pas uniquement de façade en se disant « c'est son dernier, donc on va être unanime ». Je suis sûr que non, je sais que c'est par conviction, mais ce qui est en tout cas essentiel, c'est qu'on puisse dépasser toujours la situation partisane dans laquelle on se réfugie de temps en temps, et faire de la commune d'Auderghem un exemple de démocratie vivante, en tout cas un exemple où il n'y a pas de place pour des discours qui commencent, hélas, à émerger. Je terminerai par ça, mais vous voyez, en Flandre, il y a aujourd'hui des gens qui écrivent à leur bourgmestre en disant « je ne reconnais plus d'autorité ». Je ne reconnais plus l'autorité, c'est-à-dire je ne reconnais plus à la commune, au bourgmestre, une autorité sur la personne. Ce sont des mouvements libertariens qui sont en train de se développer. C'est oublier que chacun d'entre nous, s'il n'y avait pas la collectivité, on aurait probablement très difficile à pouvoir donner une éducation à nos enfants. On aurait probablement très difficile à affronter les coups d'une maladie lorsque nous sommes confrontés à une maladie importante et grave qui coûte très cher. Et donc, on a perdu en tout cas le sens de tout cela. On croit que tout ça est naturel, que tout ça est normal. Eh bien non, tout ça n'est pas naturel, tout ça n'est pas normal. Un éditorial du philosophe André Comte-Sponville nous dit « Aucun système politique est éternel ». Et la démocratie n'est pas éternelle. Mais en tout cas, nous devons nous battre pour la défendre et que, en tout cas, la démocratie reste notre ligne de conduite dans toutes les situations et certainement dans les situations de crise que nous connaissons. Je vous souhaite à tous un bon vent et je ne pars pas tout à fait. Hein. Je serai de l'autre côté comme conseiller communal, donc je garderai encore un œil vigilant, je ne vais pas dire paternel, sur votre assemblée. On n'en a jamais douté que vous ne partiez pas tout à fait. Encore à titre personnel, encore merci à Jeannie et merci à Didier. Mais pour... Parler après Monsieur Gozouin, c'est vraiment très compliqué. mais j'ai quand même envie de dire que depuis 20 ans, je suis engagée dans cette commune et mon engagement a toujours été le même, pour tenter de faire de la cohésion sociale dans cette commune. Donc, pour moi, 15 ans de mandat des chemins, où ça a été tourné sur les autres, et je souhaite vraiment transmettre au futur échevin qui me remplacera, avoir la même option que moi, de dire, parce qu'effectivement, mes compétences étaient peut-être plus proche des citoyens parce qu'elles étaient
auprès des citoyens quand M. Pillois dit « oui, je parle avec tout le monde », effectivement, le contact avec nos citoyens qui permet de faire de notre commune, avant on parlait d'un petit village, mais je pense qu'aujourd'hui on doit tenter de faire de cette commune une commune où il fait bon vivre, où tout le monde peut trouver sa place. Et effectivement, mon engagement à moi a été de faire que tout citoyen avait le droit de vivre bien dans cette commune. Voilà, c'est la transmission que je souhaite faire pour le futur échevin. Et je lui souhaite bonne route. Mais bon, je reste quand même encore dans la commune. Hein. Je ne vais pas habiter dans une autre commune. Hein. Je reste dans la commune d'Auderghem. Donc, voilà. Et pour moi, ça a été beaucoup d'engagement, mais beaucoup de plaisir aussi de rencontrer nos citoyens, parce que ceux-ci vous apportent énormément de choses et vous apportent une autre option de la vie. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Et nous pouvons tous vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment un message que je voudrais transmettre à vous tous et à toute la commune d'Auderghem. Merci. Un grand merci pour ces deux plaidoyers. Un premier pour la démocratie, le deuxième pour la cohésion sociale, où Jeanny a effectivement œuvré tant à la Maison des Jeunes qu'au Parallèle et qu'au Pavillon pour les jeunes de notre commune. Je propose au public, ainsi que les seniors, bien entendu. Voilà. Je propose donc à notre nombreux public de nous quitter.